remonté pour regarder, mais c'était pas moi. Je vois plus. Je vois plus. Il est. Mais c'est pas lui. Oh. C'est pas lui. Ouais, c'est pas lui, mais je vois plus. Ah, le gros. Il y en a où ? Il y en a un joli là aussi. C'est peut-être lui qui est monté. Là. Ah, juste là. Ouais. Et puis il y en a un à côté. Ah, mais attends. Là. En plus, t'as le. Ah oui. Le là, très clair là. Attends, là c'est. À mon avis, on n'est pas dans la bonne veine là. Faut taper plus là-bas, voilà. Allez, donc le vent qui se lève, ça c'est dommage. Parce que c'est là. On les voit déjà pas très très bien. Ah, il a bougé. Il a bougé de place. Regarde-moi comme c'est beau, ces cailloux comme ça là. Il faudrait que cette soirée-là, 200 mètres comme ça. Ah bah oui, oui. Ça serait... On va aller voir au-dessus, de toute façon, ouais. Comment, à quoi ça ressemble. Non, je voulais regarder un petit peu s'il n'y a pas un truc dans le courant, là. Je pense qu'ils doivent être dans la fosse, là. On va laisser tranquille. On viendra peut-être faire le coup du soir, là, en fonction de ce qu'on voit en haut. Parce que là, si les poissons sortent de la fosse, qu'ils viennent s'installer là-dessous, là, ça peut être sympa. Hein. Surtout qu'ils étaient bas, hein, là. Et oui, c'est pour ça que là, ça peut vraiment être... On en a touché trois, là. On en a touché trois, là. Là, c'est un bon repérage, là. Puis alors, le cadre est magnifique. Hein. Deux piquets. Ah, c'est de la folie. Il y en a une qui a gueubé dessous là-bas. Ouais, j'ai vu, ouais. Okay. Impressionnant de rien faire monter là-dedans. La veine est magnifique. Sur le plat, on devrait voir des poissons là. Mais toi, il faudrait pêcher ça en sèche. Hein. Ouais. À chaque fois qu'on arrive sur un coup comme ça, il faut vraiment faire très attention. Il faut pas être pressé. Il faut bien analyser la situation et puis essayer de repérer les poissons. Après, souvent, quand on est en place depuis un petit moment, les poissons reviennent en place comme il faut, et après, on peut les pêcher. Donc, il faut bien leur laisser le temps de revenir et de se mettre en position. Tu as vu, tu poses une fois, il y avait deux gobages tout à l'heure, là, j'ai posé une fois, sans pas remonter. Demain, il manque de lumière maintenant, là. Ouais. Le soleil est passé derrière la montagne. Hop, c'est fait. Oh, bien. Mais t'as vu, il a fallu que l'autre vienne faire la concurrence alimentaire. Qu'est-ce que tu lui as donné? Il y a un petit qui est venu faire la concurrence alimentaire. Qu'est-ce que tu lui as donné comme nymphe? Une GBNT 53. Pourtant, je passe bien. Hein.
Ça doit être des ombrelles là qui gobent. Ah, ça y est. Et ça, c'est peut-être pas un ombre. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Regarde, t'as vu ? C'est des ombres. Putain, je vois un homme pour une fois et il bouge pas. On va refaire la fosse là. On va voir s'il n'y a pas la grosse qui est ressortie. Ouais, et puis elle est bien ensoleillée correctement là. On aura une meilleure luminosité qu'hier. Ouais. Puis après, on fait toute la partie qu'on a repérée. Ouais. Celle qu'on n'a pas pu pêcher. Oh, regarde comme c'est beau. J'espère que c'est un peu plus clair qu'hier. Ouais, c'est, ben, elle s'est éclaircie, oh là là. Oh bon, hey, là, il manque de lumière là. Hey, on n'a pas assez de lumière, mais ouais. On va faire l'autre partie là-haut. Là, on aura vraiment la bonne lumière. Avec le soleil dans le dos. Ah ouais, là on y voit rien. Bon là rien, ça commence là, mais il suffit d'une heure là. Oui mais bon, on va... Par contre il y a des tuffes à faire là-bas. Ça devrait être plat ? Non, non, non. On y voit rien Jean-Claude. On n'y voit rien, ça sert à rien. On va monter. On va monter. On va là, profiter. Il y en a pour au moins plus d'une heure là. C'est pas un gros poisson qui est là, dans la veine. Tu vois là-bas? Hein Jean-Claude, tu le vois? Là-bas, c'est une herbe, là-bas. Ça, c'est un caillou. Un caillou ou un huchon. Tiens, gobage. Juste à la cuvette. Mais par contre, tu vois le blanc, regarde la truite. Tu vois la partie qui est un peu blanche. Oui. Juste dessous, il y a du juste noir. Dessous, oui. Et juste dessous, il y a cette couleur plus claire. T'as pas fait ton baleine, toi? Non, non. Mais je suis pas sûr. Oh là. Ouais, on a l'impression de voir la queue. J'allais te le dire. J'ai l'impression de voir la queue. Oui, si. Ouais. Mais bon. Avec ça. J'ai un doute hein, quand même. Ouais, j'ai un doute, mais. Hop là! Ah, c'est un petit ombre. Oh, il était plus joli celui-ci. Bon, oh là, il t'a suivi encore là. Attends, je vais voir s'il en sèche. Il monte. Il est monté. Premier passage. Ouais. Le matin, comme ça, ils ont l'air d'être plus coopératifs.
Ah, t'as vu la truite qui suivait derrière? Une grosse encore? Non, pas trop grosse. 40. L'eau a baissé, hein. J'avais pris un repère hier et elle a baissé au moins de 5 cm. Mais c'est ce qui confirmait sur le site. Oui. La température, elle est... Température idéale, on est à 14 degrés. Allez, on va voir les grosses là-haut. Allez, on va aller, on va voir la bonne lumière pour les grosses là-bas, à mon avis. Il y a pas mal de poissons, mais c'est que du... C'est petit. C'est que du moins de 25. Oui. Mais je pense qu'on va les trouver juste au-dessus, là. Alors, loupé, alors là, la deuxième fois, ça va être dur. Hein. Ils sont durs à voir, quand même, hein, suivant les angles. Non, mais c'est pas lui. C'est pas lui. Jean-Claude, je crois que je vois une grosse truite. Jean-Claude ? Oui ? Arrête. Je crois qu'il y a une grosse truite là. Si c'en est une, elle est grosse. Hein. Elle est belle ? Ben, j'ai encore un doute, hein, mais... Mais normalement, c'est une grosse truite. Ah, mais je la vois, hein ? C'est là où j'ai loupé, hein. Non, non, à droite des cailloux blancs. Alors, ça sera au moins où les feuilles passent là-bas. Oui, mais... T'as vu le bel ombre qui a gobé maintenant, là ? Vers toi, là. Un gros ombre. Au moins 50. Elle y est. Elle y est. Oh là 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 là. Je suis arrivé dans la gueule. Ouais. C'est bien parce que quand on les localise bien comme ça et puis qu'on les observe bien... Qu'on fait pas de bruit, qu'on les dérange pas. Tu arrives à... Ouh, ça y est, c'est parti. À mon avis, celle-là, elle a dû manger cette nuit parce que elle a du mal à prendre de vitesse. Et toi, hier, quand on a repéré le coin, là, on était sûr qu'on trouverait des poissons comme ça. Hein. Sûr. Un poisson qui n'est pas dérangé, qui sait que tu n'es pas là, eh ben, il est vachement plus facile à prendre, de toute façon, dans toutes les pêches. Hein. On a bien fait de ne pas le pêcher ce coin hier, on n'avait pas de luminosité. Ouais, oui. J'adore sa couleur. Elle est magnifique. Tu as mis quoi comme nymphe là ? Ah ben écoute, une que j'ai pas du tout utilisée, je sais pas, j'avais envie de la tester. C'est une JBNT, on dirait un verre d'eau. Ah oui ? Oui, oui. Avec une tête grise métal. Elle se dépense pas beaucoup là. Oui, mais le problème c'est qu'elle a beaucoup justement de réserve si elle continue à faire peu de combats. Et puis j'ai oublié de changer mon fil. Tu vois, regarde comment elle commence à... Je me mets à un endroit et je bouge plus, hein, d'accord ? Ouais. Pour pas la perturber. Allez. Elle est magnifique, hein. Elle a de ses nageoires. Attends, quand tu vois le travail de la canne. Allez, je bouge plus, c'est toi qui gère le truc, hein. Mais elle fait 70, celle-là, pas loin. Alors, un conseil sur ces gros poissons, dès que ça part, il faut vraiment que la main gauche soit extériorisée avec la soie
pour pas qu'elle se coince dans le moulinet. Hein. Parce que ça, ça pardonne pas. Elle doit rentrer là. Elle m'a... Attends, bouge pas. Vas-y, la fille. Non. Alors, si elle passe derrière moi, c'est pas bon. Hein. Non, bouge pas, t'inquiète pas, c'est moi qui vais jouer là. Je vais gérer. Là, je vais la tourner, je vais la retourner, voilà. Je la retourne un tout petit peu. Elle est magnifique, hein. Bouge pas. Je la retourne, je la mets en surface. Voilà, c'est surtout la tête qu'il faut qu'elle sorte de l'eau. Elle sent que je suis là. Hein. Oui. Lève la tête. Je la remonte un petit peu. Ouais. Je lève la tête. Attends. Putain, ce vache. Il fallait bien cette épuisette. Hein. Ah, elle est belle. Tiens, tu me le donnes. Hop là. Tu me dis si je sors l'épuisette. Ça, c'est... 50, ouais, 70, 70, 70. Ouais, plus de 70. D'accord, regarde ça. Je me suis mis en soleil un peu pour la remontrer. Ça sera plus joli. Regarde ça. J'enlève l'épuisette. Regarde-moi ça. Oh, bravo. Bravo. Il est pêché en nymphe à vue. Ah, t'étais oui. En combien, 16? Donc 14. 14-8. Attends, le super tipette, c'est ouais, tient vraiment. Il est... Oh, c'est un câble. Attends, j'ai refait tout le banni de ce matin. Ah oui. Ben là... Allez, ma grosse. Au revoir, vas-y. Ma grosse. Ah, ben, ça. Et voilà. Et, on dirait une vache. Et toi, j'avais repéré... Oh ouais, bien. C'est ça qui est formidable. C'est ça qui est formidable. Et... Allez. Tu me redonnes ma canne? Oui. Merci. Si tu veux encore pêcher... C'est ma ligne. Là, je vais refaire mon badling complet. Mais par contre, la bagarre n'a pas été violente. Hein. C'était lourd, tracteur. Tracteur hein, quand même. Hein. Mais franchement, j'aurais bien voulu qu'elle me refasse 2-3 sauts en remontant. Mais elle n'a pas fait de saut. Une solution, ouais. C'est qu'elle ne nous a pas dérangé la rivière. Hein. Il y a une truite, tu vois Jean-Marc, il y a la coulée, oui. Et puis derrière, il y a le rocher. Oui. Hop, et entre cette la coulée dans la retourne, il y a un poisson. Oui, je le suppose, posé. Oui. Ouais. Mais par contre... Là, ça va être dur. Hein. Mais il faut le faire monter. Ouais. Il faut taper, à mon avis, vers le rocher où il y a de l'herbe, tu sais. Ouais. Bien étendu, hein, par contre. Attends, je vois plus. Si, regarde là. Oui. Elle vient de chasser ou faire quelque chose. Elle se déplace, elle remonte sur le... Ah, zut, non, je l'ai perdu. Fais un tour comme ça, si tu la vois bouger, on va la voir bouger peut-être. Ouais, je la vois, voilà. Elle est derrière un rocher. Oui. Oh là, regarde là, oh là elle là se déplace. Là, oui. Elle est là, dans la veine, plus près, maintenant. Dans la petite veine noire, non. Petite veine noire. Là, tu vas arriver dessus. Oui. Je l'ai. Magnifique. Ah,
Et il faut des yeux, hein. Là, il faut des yeux. Là, il faut des yeux. C'est des collines extraordinaires. Ah, mais c'est... Qui sont très durs parce que ça drague tout de suite. Toi, même, toi, c'est des arcs-en-ciel, mais c'est vraiment des très très beaux poissons et qui ont des vrais comportements. C'est... Ouh. T'es en combien? En 16. Et t'as eu la différence de combat avec, avec Daniel? Oh là là, oh là là. Et elle descend. Essaye de rester là, je peux voir ouais. si tu veux la faire remonter. Parce que sinon, on est voué jusqu'à descendre dans le pool de dessous. Elle va venir, elle va pas au bon endroit, là. Je suis obligé d'y aller, là. Non, elle revient. Elle s'est mise dans les... Ah voilà, c'est bon, elle est sortie. Elle est sortie. Oula, tu l'as. T'as frisé la correctionnelle, hein? Oui, oui. J'ai pas fait mon Jean-Claude, hein. J'ai pas essayé de la prendre comme... main gauche. C'est, t'allais faire comme mon Jean-Claude. Prêt? Prêt. Je la monte. Pourquoi tu pêches les petites? Fait plaisir, hein. C'est phénoménal. Hein, tu vois, ça me rappelle dans les années 80, 80, 90, 2000. Sur la rivière d'Ain. Des poissons comme ça, c'était 10 par matinée. Tiens, elle s'est... Ah bah super. Oh là, tu vois, hein, ces hameçons sans arvillon. C'est super. Parce que tu la dépiques déjà, pas. Déjà, tu dépiques pas. Parce que là, elle serait moins rentrée si tu avais ferré. Avec des fois un trop gros ardillon, ça rentre pas. Mm. Et là, t'as aucun risque. Hein. Et puis dans les épuisettes, eh ben nickel. On voudrait pas raconter l'histoire des épuisettes. Hein. Voilà, magnifique. T'as vu les nageoires? Elles sont parfaites en plus. Il n'y a pas un défaut. Pas un défaut sur cette... Vas-y. Merci. Des coups de ligne, mais c'est des coups de ligne de ouf. Et toi, j'aurais pensé qu'on touchait poisson plus haut, qu'on en est encore pas là. Ben toi, aujourd'hui, avec le temps un petit peu orageux... Orageux, comme hier, comme hier. Les poissons se sont bien répartis. Ils sont un peu dehors, relativement bien mordeurs. Ouais. C'est ça, rivière, c'est très éclairci. C'est ça le plus intéressant, donc... parce que quand tu passes 2 heures sur un poisson à changer de nymphe, là, tu fais des belles dérives, tu leur arrives, c'est nickel. Mais elle était plus dure que la mienne à faire. Voilà, oui. Parce que là, franchement, tu l'as c'était faite. C'était le bon posé au bon endroit. Pour voir au moment où elle a mangé, c'était vraiment chapeau. Hein. Ça, c'est des réflexes à force de pêcher comme ça. Pouh. Et tu t'étais mis en 16. Je me suis mis en 16, là. Tu me dis rien. Mais hier, tu me dis, mais faut pas les pêcher en 12, en 12-8. Allez. Ouais. Non, mais là, tu vois, comme je dis, allez, un gros ombre, truc. Ouais. Mais bon, là, je mets en 16 plus haut, si jamais. Bon. À toi, maintenant. Alors, attends. Tout à l'heure, tu avais vu un ombre. Hein. L'ombre, je l'ai vu là, le gros ombre. Par contre, il va être dur à voir. Ouais. Et il a gobé. Bon, tout à l'heure, il a gobé. Hein, ouais. On va laisser tranquille, là. On laisse tranquille, on revient faire un tour pour l'ombre tout à l'heure en sèche. Et Jean-Claude, je viens de voir un ombre qui a gobé là-bas. Où t'as pris la truite, il y a 10 minutes, un quart d'heure, là?
Enfin, je crois que c'est un ombre. Je vais les faire par-dessous parce que je passe mal. Avec le vent qui travaille la mouche en haut, c'est pas terrible. C'est les beaux passages là. Oh, c'est bon. C'est un ombre, hein, c'est ça? Oui. Mais il me semblait qu'il était plus gros. Placé où ils sont, là, c'est... Ah, il est quand même pas mis là. Hein. Ah, il est joli. Hein. Toi, changer de là-bas, ça, avec le vent qui remontait, c'était quasiment impêchable. Et bien, tu te déplaces, et voilà. T'as vu rien? Très beau. C'est des poissons magnifiques. Je vais quand même réessayer encore. Parce que je pense qu'il y en a... Tu réessayes dans la coulée avant. Ouais, pas la... Enlève ta carte. Oui, pardon. Non, je suis désolé. Plus à gauche. Plus à gauche. Là, je suis sûr que si on peignait tout ça en sèche... Oh là là, ouais. On aurait des surprises. Toi, la dérive, là, elle était... Elle était bien, la dérive, là. Mais il faut la prendre par-dessous. Hein. T'es en nymphe, toi? Oui. Je vais garder la sèche. Tu regardes ces oreilles de lierre. C'est toute une nouvelle série, là. Ah, j'ai pas ça. Hein. Ouais. Mais c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Non, mais là, j'ai fait 5 nouveaux modèles en oreilles de lièvre. C'est vraiment hyper équilibré. Par contre, maintenant, c'est tout sans ardillon. Hein. Parce que, ouais, les poissons, on les abîme pas. Mais ça, c'est déjà la première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'en plus, ça, quand tu fais un poisson, ça rend nettement mieux. Donc, en fait, tu le dépiques beaucoup moins. Que souvent, tu sais, quand tu pêches avec un ardillon, c'est plus dur à rentrer. Donc là, tu fais un petit ferrage tranquille. Ça rentre, tu prends bien le poisson dans la courbure. Et après, pour le décrocher à l'épuisette, ouais, comme tout à l'heure, jamais. Des... T'as vu comment ça se décroche, ouais. C'est un jeu d'enfant. Quoi. Mais par contre, il faut toujours garder le contact avec le poisson. Même. Ouais. Alors là, je vais dire une chose, le nombre de fois où je vois avec un poisson, il décroche, parce que tu dis, c'est pas celui que tu voulais prendre, tu... C'est parce qu'il était tu mal... Tu mets du mou, jamais ça se décroche, jamais. Tu sais, quand tu décroches, c'est que tu dois décrocher. Hein. Alors, je ne... Hop, à toi. Ça, c'est pas un gros poisson. Tu le fais plutôt en revers, non? Ouais. Voilà. Il était un peu plus loin, hein, je crois. Plus loin. Oh là là, se poser. Il était là, non? Il était plus haut. Il était plus haut? Oui. Ou alors plus près de nous, moins en profondeur. Voilà, moi je pense qu'il était plutôt là. Ouais, mais il faut que je pose plus haut. Tu sais, des fois il se déplace aussi hein, pour. Bon, allez, on continue à faire. On va pas changer de mouche pour. On reste comme ça. Ouais. Attends, hop. Non. Tu vois, c'est bien parce que. On a attendu parce qu'il y avait trop d'ombre là. Ben, donc le temps de toute qu'on façon, a. L'idéal, c'est nous à l'ombre, le poisson au soleil. C'est ça, l'idéal. Ça. Ils ne nous voient pas bouger, ils sont. C'est parfait comme ça. Après là-haut, il y aura plus de courant, donc c'est moins important. Regarde, on dirait qu'il n'y a pas une queue qui est derrière là-bas. Le ouais, dernier je vois, noir. Je vois ce que tu veux dire, oui. Ouais. Tu essayes en sèche d'abord? Ben, je veux bien, oui. Mais je pense pas que c'est un poisson. Non, non, on l'a vu hier, ça. Jean-Marc. Oui. On a vu, on croyait, tu sais, qu'il y avait une queue. Parce qu'on voit pareil, la queue. Oui, un long quand même. Un joli ombre.
Je te dis, on pêche tout ça en sèche. Là, c'est... Là, on devrait se mettre chacun d'un côté. Thank you.